Salut, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de comment, quels sont les business possibles en Côte d'Ivoire, les business en ligne en général. Ouais, dans cette vidéo, je vais vous parler des business que vous pouvez démarrer à partir de, bon, à partir de zéro, vous n'avez pas besoin beaucoup d'argent et que vous pouvez les démarrer depuis la Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens m'écrivent et me demandent quels sont les business qui peuvent démarrer depuis la Côte d'Ivoire. Donc, cette vidéo, elle va, ça peut être aussi valable pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, mais qui veulent vraiment, qui aspirent à démarrer cette business. Business que je vais vous recommander qui est tout simplement le freelance. Le freelance, c'est un business que je recommande très souvent parce que vous n'avez pas besoin nécessairement d'avoir assez d'argent. La plupart du temps, vous n'avez pas besoin d'argent. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'avoir une connaissance, c'est d'avoir un domaine que vous maîtrisez et c'est dans ce domaine que vous allez, c'est les choses que vous mettez dans ce domaine que vous allez seulement vendre. Donc, je vais créer ici, c'est le freelance, ça peut. C'est le freelance. Maintenant, le freelance, c'est juste comme je veux vous le dire. La première des choses dans le freelance, c'est d'avoir un domaine. Donc, si vous avez quelque chose, peut-être vous êtes un community manager, vous savez comment gérer, comment modérer une communauté. Là, vous pouvez, c'est ce que vous maîtrisez ça. Soit vous êtes un designer ou vous maîtrisez Photoshop ou vous savez comment faire peut-être des montages vidéo. Donc, c'est ces connaissances que vous allez faire. Maintenant, comment vendre ces services en freelance? Pour vendre ces services en freelance, c'est que d'abord, vous devez utiliser les canaux disponibles qui vont vous permettre de vendre des services d'une manière organique. Et quand je parle, la première des choses, c'est les sites. Et quand je parle des sites, c'est que nous avons freelance.com. Nous avons freelance.com. Ces sites, c'est quoi? C'est les sites qui mettent en relation le client et au fait, le prestataire. Ça veut dire, vous êtes freelance et il y a quelqu'un qui est là qui veut prendre le service. Donc, si vous vous inscrivez sur ce site-là, et d'abord, pour avoir l'inscription, vous devez être assez professionnel. Parce que si vous n'êtes pas professionnel, la personne qui veut, qu'on appelle, et qui veut, qui va venir voir votre truc, qui va voir que vous n'êtes pas trop professionnel, donc elle va pas vous valider. Et donc, ce que vous devez faire, la concurrence est assez rude par rapport, bon, pas, je ne sais pas si c'est dans toutes les thématiques, mais la majorité des temps, il y a beaucoup de personnes qui proposent le même service que vous avez dans votre main. Donc, vous pouvez utiliser les sites, par exemple Fiverr.com, il y a 5euros.com, nous avons Upwork.com, nous avons énormément de sites. Ces sites-là, je vais les mettre dans la description. Et maintenant, vous pouvez également utiliser Facebook et acquérir beaucoup de clients, beaucoup de prospects. Donc, si vous voulez maîtriser ça, j'ai fait une vidéo par rapport à ça dans Facebook. Je vais mettre également la vidéo dans la description, le lien de la vidéo dans la description, qui va vous permettre de savoir comment générer beaucoup de clients grâce à Facebook. Et maintenant, le second business que je peux vous recommander, c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est vraiment un business que beaucoup d'Africains ont aspiré à démarrer. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'affiliation qui va forcément aider quelqu'un. L'affiliation. Maintenant, l'affiliation, c'est quoi? Imaginez que vous êtes peut-être comment on appelle, un propriétaire de maison. Vous avez une maison que vous voulez, vous avez mis cette maison en vente. La maison peut-être à 5 millions. Imaginez que la maison elle est à 5 millions et vous voulez vendre cette maison. Et vous avez peut-être un démarcheur pour vous faciliter la vente. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si ce démarcheur qui va vouloir prendre cette maison et la revendre, elle aura forcément un pourcentage dans le prix de vente. Ça voudra dire, si la maison est à 5 millions, le démarcheur peut dire qu'il va prendre 10% du prix général. C'est tout simplement que si le client arrive à vendre ce produit, en fait, si le démarcheur arrive à vendre ce qu'on appelle ce produit qui est la maison, grâce à cette stratégie, grâce à sa base de données, le démarcheur prendra tout simplement 500 000. Donc c'est ça, c'est exactement le business que je vous ai un peu caricaturé dans cet exemple-là. Donc, comment ça se passe qu'on appelle l'affiliation? L'affiliation, c'est qu'il y a un site. La majorité des temps, il y a des sites qui met en fait, qui met à votre disposition assez de programmes d'affiliation. Il y a aussi d'autres sites qui vous permettent seulement, c'est le vendeur ou celui qui détient le site qui a un programme d'affiliation disponible sur son site. Et là, c'est ce programme d'affiliation. Vous allez adhérer à ce programme et à chaque fois que vous allez faire des ventes, vous aurez des pourcentages de ventes. Vous aurez des pourcentages sur chaque vente.
Ça veut dire si le client veut vendre ce produit à 10 dollars et grâce à vous, la personne, vous avez pu vendre grâce à votre lien que vous avez eu après avoir inscrit au programme d'affiliation, à chaque fois que vous avez des ventes, vous aurez qu'on appelle votre pourcentage de vente. Donc, qu'est-ce qu'il faut pouvoir commencer l'affiliation? L'affiliation, pour démarrer l'affiliation, il faudrait que vous soyez un peu bon dans le marketing parce que le secret sur Internet, c'est le trafic. Si vous voulez démarrer un business sur Internet, vous n'avez pas les stratégies qu'il faut pouvoir acquérir du trafic, vous n'allez pas réussir ce business. Ça vous parle tout simplement, si tu as une boutique et tu n'envoies personne sur cette boutique, personne ne viendra payer tes produits. Vous voyez, c'est tout simple et vous devez comprendre que c'est de cette façon les trucs se passent. Donc après ce business, pour bon, l'affiliation, je vois que vous avez compris. Si vous n'avez pas trop bien compris, à cerner, j'ai fait une vidéo exclusivement sur cette thématique-là, sur l'affiliation. Vous pouvez également regarder cette vidéo, vous pouvez aller checker dans la description ou sur la chaîne YouTube. Vous irez voir des vidéos qui parlent essentiellement de l'affiliation. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire, les business dont je viens de vous parler, vous pouvez les démarrer. L'affiliation, le freelance, c'est que c'est valable depuis la Côte d'Ivoire, peu importe là où vous êtes. Et c'est aussi valable pour les gens qui sont dans la zone francophone. Vous voyez, dans la zone francophone. Et je pense que ça va vraiment vous aider. Et après ça, le troisième business, parce que j'ai arrangé les business en fonction de leur difficulté pour le lancement et après, et aussi par rapport aux investissements initiaux. Après ça, le troisième business que je peux vous recommander, c'est le print on demand. Le print on demand, c'est un business vraiment, vraiment et enrichissant. C'est le premier business que j'ai commencé et c'est ça qui m'a permis de générer mon premier revenu sur Internet. Donc, ce business, ça peut vraiment aider quelqu'un, ça peut vraiment vous aider si vous faites les choses comme cela se doit. Et si vous mettez le courage en main, vous allez réussir ce business. Le print on demand, je vais écrire ça ici. Le print on demand. C'est également l'impression à la demande. Imaginons que je porte un t-shirt. Vous voyez, si je porte un t-shirt, et comment ça le business se passe? Le business, c'est qu'il y a un site, c'est exactement comme l'affiliation. Il y a un site là qui regorge des produits vestimentaires. Ça peut être des produits vestimentaires, après des produits pour femmes. Et il y a des produits pour femmes, il y a des produits pour hommes, tout ça. Donc c'est à peu près des produits assez vestimentaires. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous, qu'est-ce que vous avez à faire sur le site? Une fois inscrit sur le site, parce que ça commence par l'inscription, soit vous allez créer une boutique, soit vous allez juste utiliser un produit et faire la promotion de ce seul produit que vous avez choisi. Donc, préalablement, vous devez créer un design. Vous devez créer un design et ce design que vous allez créer, vous irez peut-être utiliser qu'on appelle les logiciels de création de design, de création de trucs, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. C'est ce logiciel qui va vous permettre, vous allez créer votre propre design. Et vous allez inscrire ce design sur le t-shirt que vous avez créé. Ça veut dire, si le produit, vous prenez le produit qui est peut-être un t-shirt, vous allez créer votre design et vous allez inscrire sur le t-shirt. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez gagner dans tout ça? Premièrement, le t-shirt que vous voyez, le t-shirt que vous prenez est d'abord à un prix initial qui est peut-être à un prix ins. Vous voyez? C'est peut-être à un prix ins. Le prix ins, après avoir inscrit votre description et votre qu'on appelle votre création, ce que vous avez créé, l'entreprise va augmenter peut-être un prix, c'est totalement dérisoire, c'est un prix ultra dérisoire qui sera additionné à Y, qui sera le prix que l'entreprise a augmenté. Vous voyez, les choses sont un peu en avait, je ne sais pas pourquoi, mais dans les prochaines vidéos, je vais essayer de régler ça. Maintenant. Vous voyez, si vous faites X plus Y, c'est le prix de vente. Ça veut dire que c'est le prix que c'est à ce prix que vous avez pris le produit. C'est que le produit, vous avez pris le produit à un prix X plus Y. Maintenant, vous, ce que vous allez faire, vous allez ajouter votre valeur. Vous allez ajouter et votre marge. On peut dire en général que les X plus Y peut faire en général peut-être un truc de 10 dollars. Peut-être le produit initial est à 10 dollars, après à 5 dollars après l'inscription et après que vous avez créé votre design, vous avez mis sur le produit, ça peut être à environ 10 dollars. Maintenant, vous pouvez vendre ce produit, vous allez inscrire votre petite marge qui peut être à 5 dollars ou à 10 dollars. Ça s'est élevé que ça. Maintenant, vous allez assurer le marketing et une fois que vous vendez le produit, une fois que vous avez des ventes,
L'entreprise, elle vous fait chaque fois votre marge. Chaque fois que vous avez des ventes, vous aurez votre marge, vous aurez votre marge. Et c'est comme ça que vous allez générer beaucoup d'argent sur Internet. Donc, dans cette vidéo, principalement, parce que la vidéo, ça fait assez de temps, ça fait déjà plus de 9 minutes. Donc, je crois que ces trois business, c'est des business qui va aider ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Sénégal, Mali, et peu importe là où vous êtes. Je crois que ça va vous aider, même si vous êtes au Bénin, ces trois business peuvent vraiment et littéralement changer votre vie et vous pouvez vraiment réussir. Et par rapport à la potentialité de chaque business, par rapport au freelance, vous pouvez générer jusqu'à 5000 dollars le mois. Ça voudra dire que vous pouvez générer jusqu'à environ, je crois qu'environ 2 500 000. Et comme ça, si je fais une estimation de celui qui a bien exécuté les stratégies que j'ai partagées dans mes vidéos, dans mes stratégies, cette vidéo, vous pouvez faire plus de 5000 dollars avec ça. Et maintenant, ce que je peux vous recommander aussi, il y a une académie qui est Sedami Academy qui va vous aider à créer peu importe le business. Vous voyez, moi j'ai commencé grâce à cette académie. C'est cette académie qui m'a donné beaucoup de stratégies, qui m'a donné beaucoup d'idées, beaucoup de stratégies qui m'ont permis de créer et d'être là où je suis. Donc je peux vous recommander cette académie, le lien est dans la description. Et je crois que nous sommes déjà venus à la fin de cette vidéo, donc si vous avez des préoccupations, vous pouvez les poser dans la description.